nous sommes complètement inondés avec de l'eau. Et puis, nous n'avons pas de traverser ce pont-là, nous n'avons pas de faire le travail. Les chaînes noyées, tout nous met bien gâté en dedans, Lily, tout. Qu'est-ce que la rivière là, qui distance était? Qu'est-ce qui côté nous restait? Et plus, nous dans la descente, tout ça dès le la sorti, vient là, vient accumuler contre nous. À ce moment-là, un gate qui nous met là, ça gate là, nous met ça pour nous rentrer. Mais pour ça gate là, nous pas capable de rentrer même pas ça. Nous disons ce de barrage pour rentrer en dedans. Quand la pluie tombe, là nous ramasse beaucoup de problèmes. La pluie, nous fait des morses, nous bagayons dans le nid. Il y a beaucoup de problèmes. Le grand du monde là-bas, ici pareil. Nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas avaler les autres places. Et il n'est pas content qu'il soit la carte pour y aller ici. Mais là, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de morses pour pompiers, tout ça. Là, nous ne pouvons pas faire personne, dans le sens, ça m'a dit qu'on est venu. Mais nous, sinon, de l'eau partout, nous allons faire ce canal pour de l'eau aller, tout ça. Là. Nous ne pouvons pas faire un soir. Et nous ne pouvons pas dormir. Beaucoup de l'eau nous tirer à soir. Une nuit nous comme ça. Puis il y a un pont aussi qui noyait toute de l'eau descendre. Là nous ramassons une fin descente là, non? Nous avons un problème là. Et grand matin, de l'eau dans la case du Jimoun. De l'eau dans une grande, à peu près 250 mm de la case. Mais l'image est grave. L'image est grave parce que dans Grand Bain, il y a une drèse devant. Comme vous pouvez trouver, il y a une drèse devant où là, ça drèse là, inutile ça. Ça, c'est Jimoun qui fait ça drèse là, un Jimoun qui part dans sa vigne. Il ne connaît pas comment il fait ça. Tout le monde a de l'eau là, drèse là. Quand on dit de l'eau pour appeler ça. Là, moi j'ai une affaire. Dans Grand Bain, longtemps, je peux faire belle fête. Fête de la famille, Diwali Night, belle fête. Il n'arrête de faire. Casse la côté. Car cela, il faut investir dans l'infrastructure, mais drain contre Djimoun. Nous, dans Grand B, nous avons un problème très sérieux au niveau Cancarol. Et ça, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un peu longtemps. Nous avons Cancarol, surtout Cancarol, et après, puis là-haut, Péribert et Cap Malheureux. Donc, le gouvernement, nous déjà fait travailler un projet pour mettre des drains un peu partout. Bon, peut-être dire que le consultant finit faire ce survey, il finit préparer un document. Nous payons là à l'eau tiers bantin de documents. C'est pour lancer un appel d'offres très bientôt. Et nous souhaitons que dans 18 à 24 mois qui peut venir, nous pour capables en mesure finir mettre des drains. Et c'est des travaux qui durent depuis plus que des 3 ans. Hein. Là, nous payons besoin à très vite avec ça et moi souhaiter que mon pédiatre dans 24 mois nous capables de trouver une bonne solution à ce problème d'accumulation d'eau qui nous peut constater aujourd'hui. C'était dimanche matin quand on connaît qui prenait la pluie fort à fond du sac. L'autorité n'informe village council de fond du sac. Les la conseil village informe l'autorité concernée parce qu'il nous avons la case qui est victime d'inondation la dernière fois. Et qu'effectivement, ça en est là aussi, nous prenons sa paix avec les temps là. Nous avons environ 26 lacages fond du sac qui est inondé complètement. Quand un pompier nous a fait 8 interventions avec un bateau de sauvetage. Nous avons là-haut 40 de maisons qui sont complètement inondées au sol. Et que nous avons peut-être là-haut 100 familles qui sont une victime d'inondation grave ici, aujourd'hui, à fond du sac. Et, ça veut dire, si vous pouvez trouver chemin là bloqué là, c'est parce que. Ça a de l'eau qui peut sortir depuis le fond du sac là-haut et venir en bas. Il va pas traverser ce drain là parce qu'il nous va un drain bouché. Et que c'est vraiment sagrinant que pas pour la première fois qu'il va arriver ça à fond du sac. Donc l'autorité fait un travail qui n'est pas morcé. Et que c'est une promesse publique qu'ils ont pour faire plusieurs bonnes affaires, mais malheureusement, un simple, si je débouche ce drain là depuis avant, moi si ça inondation là, tu peux venir, mais une gravité, inondation là, il n'y a pas de temps. Tu vois, tu peux être autant victime aujourd'hui. Grand matin, en fait, je suis à la case, je suis dans le travail. Mais en fait, je suis en téléphone, je dis qu'il y a un problème. Ils ont développé comment sont dans la case. Mais ça a commencé depuis 6h du matin, gros la pluie, une nuit, gros la pluie tombée. Bon, dès le lendemain, commence à accumuler à partir à peu près 7h, depuis 7h. Dès le commence à accumuler, je suis dans le travail, moi. Et moi, je dis que je fais une démarche, je suis venu. Les temps sont venus, de l'eau arrive à ce niveau-là.
Bon, ça fait déjà un mois qu'il nous a un problème là. En 2013, février 13, j'ai gagné le même problème. Oui, nous allons à côté de mon voisin. Je passe en nuit là même jusqu'à nettoyer, faire des doux qui besoin. Mais c'est un gros problème. En merci, moi je gagne un problème là les matins, pas les soirs. Si je gagne les soirs, tu gagnes un problème grave. Maintenant, il y a beaucoup la pluie. Tout de l'eau est rempli comme ça, blindé, dans des mounes sur la case, fini rempli de l'eau. Tout fini rempli. Là, il y a une pompier pour venir. La pompier vient, il est allé. Là, la discipline vient, il commence à fouiller. Là, de l'eau, une chose, il est allé. Comment dire, dans la mer, il y a de l'eau pour finir aller. Mais ce moment-là aussi, c'est même les bloqués. Là, c'est même les bloqués. Là. Oui.